Bonjour. Bienvenue au live, on est ravis de vous recevoir. Merci de me recevoir. À l'occasion de cet album Mousquetaire, premier volume, premier tome. Oui. Alors, est-ce qu'il y en aura 3 ou 4 comme les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas? A priori, il devait y en avoir qu'un, mais c'était compliqué de sortir les deux, de sortir l'ensemble des chansons qui sont quoi, une trentaine, le même jour. Donc, on a décidé avec la maison de disques d'en sortir en 2 fois. A priori, ce sera 2. Mais on ne sait jamais, il y aura peut-être un mousquetaire 3. C'est votre premier album solo depuis 2005? Oui. C'est une parenthèse du groupe FM, mais le groupe continue. Bien sûr. Déjà, vous travaillez déjà sur de nouvelles chansons? Oui, on s'en parle. Enfin, moi j'ai écrit des chansons, mais c'est tout bête, on a mangé la dinde au marron à Noël et avec Eiffel. Donc on va se parler de tout ça, de comment on va faire et quand on s'y colle. Voilà. Alors cet album, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit virage plus pop. Mm-hmm. On parle beaucoup de l'influence de Damon Albarn notamment, des choses un peu acoustiques. Ouais. Vous reprenez un morceau de Gorillaz sur scène, ouais, notamment. Ça a été une grande influence? C'est une grande influence permanente, mais même au sein d'Eiffel, en fait. Sauf que cette une influence, c'est toujours, elle doit être, transformée, passée par le prisme d'eux. Et donc même dans Eiffel, il y a une de des influences d'Eiffel, c'est Damon Albarn, Gorillaz et Blur. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est un type qui me rassure, comme Bowie m'a rassuré. Parce que j'ai pas envie de me ressembler, en fait. J'ai pas envie d'être le même qu'hier. Et il montre un petit peu les voies, c'est tant musicalement que dans la manière d'opérer. J'aime bien cette idée-là, de garder sa liberté musicale, et pour ça, se mettre en retrait, et puis d'un coup, paf, de livrer la bête, et puis pop, d'en livrer une autre, mais de la faire rentrer par une autre porte. Voilà. Alors les gens se disent, mais qui c'est Romain Humeau ou Eiffel, on comprend pas trop, pourquoi il y a tout ça? Ben parce que juste, je suis musicien, et j'ai beaucoup d'amis musiciens qui sont pareils, hein, je me vante de rien. Ça fait plus de 20 ans qu'on vous connaît, vous êtes un hyperactif. Vous avez été impliqué, comme vous le rappeliez, dans énormément de projets. Ouais. Vous avez collaboré sur des productions pour d'autres artistes. Ouais. Comment s'équilibrent toutes ces activités avec beaucoup de scènes aussi, un groupe à mener, ouais, une famille comment est-ce qu'on... En mieux, j'ai envie de dire, parce que peut-être j'ai l'impression d'être plus centré, je me comprends mieux. Si tant est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment en ce moment là, cette semaine, demain, après-demain. C'est il y a Eiffel, il y a mon projet solo. Dans mon projet solo, il y a des choses un peu bizarres comme Vendredi au Lème du Pacifique et puis Mousquetaire et puis peut-être qu'on fera la Villa Médicis avec Alexandre Planck, le réalisateur avec qui j'ai fait Vendredi au Lème du Pacifique. Et en même temps, moi, je réalise des disques pour d'autres gens que j'aime, comme Bernard Lavilliers. Je suis en train d'enregistrer d'arranger des cordes pour Gaëtan Roussel, et c'est vrai que c'est pas évident, mais si on pense au plaisir que c'est de rentrer tout de suite, c'est ça, j'essaie de travailler de plus en plus, la manière de rentrer très vite dans un esprit. Et moi, ça m'aide beaucoup de travailler aussi pour les autres, déjà par rapport à l'ego, j'en ai un énorme, j'écris des chansons, puis j'en joue sur scène et j'ai un public, et ça fait tellement de bien de dire je suis au service d'eux aussi. Pas tout le temps être au service de soi-même, voilà. Et du coup, en fait, à la place que ce soit une fatigue, ça devient une énergie. C'est un peu comme de courir. On croit que ça va vous fatiguer. En fait, ça donne beaucoup de patates. C'est un peu pareil. En tout cas, je vous ai vu récemment sur scène à Paris, à l'Élysée Montmartre. Mm-hmm. Vous avez gardé un public extrêmement fervent et aussi une efficacité sur scène qui est très impressionnante. 20 merci. Ans après, ça se cultive, ça s'entretient. J'avoue, non. Et puis c'est pas tout le temps gagné, c'est pas tout le temps fameux, mais là j'ai la chance d'avoir un groupe fabuleux, on est 5 sur scène, et il y a une envie de jouir. C'est tellement, avec tout ce que l'industrie dit traverse comme merde, on sait que c'est quand même un peu la fin d'une époque, etc. Tout est un peu gris dans ce qui est dit autour de nous, etc. Et on se dit, mais on est quoi? On est des musiciens. Ben déjà, faisons bien ce qu'on a à faire, c'est-à-dire la musique, écrire des chansons, la jouer. Et on est vachement là-dedans, hein. On essaie de faire dans une petite orfèvrerie. Et en même temps, on la livre. Alors, sur scène, c'est jamais parfait. Mais on essaie de garder l'idée d'acte.
Monter sur scène, c'est un acte. Beaucoup de gens disent que c'est un des métiers les plus risqués au monde et en même temps, il n'y a aucun danger. Mais c'est très risqué parce que personne ne demande rien. Si demain j'arrête, personne ne va pleurer. Et moi, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon rêve, c'est ce qui donne raison au fait d'être. Est-ce que faire du rock aujourd'hui en France, dans notre société telle qu'elle se porte, est-ce que c'est un acte de résistance, un acte engagé? Quelle connotation ça a par rapport à il y a 20 ans? Est-ce que ça a changé? Je pense que vous en savez beaucoup plus que moi là-dessus. J'ai pas trop réfléchi là-dessus, mais personnellement, je pense que le rock est une jolie vieille musique. J'ai pas vraiment l'impression de jouer du rock parce que j'ai pas l'impression de faire mi mineur saturé en disant zut aux parents ou en donnant des coups de pied dans la poubelle ou en étant totalement désespéré. Voilà, un peu rimbaldien. J'aime l'humour, le fait de parler de l'enfance, de parler d'une petite fille qui vient de naître, ce sont des sujets abordés dans mon album. J'ai pas l'impression que ce soit des sujets rock'n'roll. Je dis pas, je me suis piqué hier. Et ça ne me dérange pas d'évoquer tout ça, mais ce n'est pas ma... Mais après, l'idée d'engagement dans le rock, j'y ai jamais trop cru, personnellement. Je crois, par contre, comme dit John Lennon, dont je suis fan, et qui était un beau rocker, quoi, voilà. Écrire une chanson d'amour dans sa chambre, assis en tailleur, avec sur la moquette, avec une petite page blanche, un stylo, sa guitare, comme ça, une chanson d'amour, c'est déjà s'engager. S'engager, alors ça, oui. Et cet engagement-là, j'y crois, mais par contre, aucun groupe de rock, et en France, et à l'étranger, n'ont changé quoi que ce soit, ne changeront quoi que ce soit. Ce qui peut changer les choses, dans la musique, je pense, c'est un bouleversement harmonique, rythmique, à l'instant T, dans une petite chanson qui dure 2 secondes et qui crée une émotion et qui allume une mèche chez l'auditeur qui lui-même va faire perdurer cette histoire-là. Mais il n'y a rien que je puisse dire et écrire qui puisse changer le monde dans lequel je suis. Après, en tant que, pas citoyen, mais en tant que type qui vit et qui partage des choses avec d'autres artistes et qui communique, et c'est mon cas, notamment actuellement avec Dominica, on en parlait l'autre jour, je pense non pas changer quoi que ce soit, mais contribuer au fait, c'est le colibri de Rabhi, c'est participer un petit peu, essayer de faire quelque chose quand même, on vit avec les autres. Moi ce qui m'intéresse c'est les autres qui me font. Et vous avez d'autres projets? On parlait de Michel Tournier, Vendredi ou les Lames du Pacifique. Ouais. Vous avez d'autres projets d'adaptation d'œuvres littéraires? Alors, c'est que des discussions, mais avec Alexandre Planck, donc ce réalisateur, metteur en scène, qui travaille beaucoup pour France Culture, mais qui travaille aussi en indépendant, on a un petit peu cette idée folle, peut-être, que de créer une sorte de roman à base de plusieurs romans. C'est-à-dire, peut-être de faire côtoyer Adrien, d'ailleurs, Sonar, avec Angel de L'automne à Pékin, et je sais pas, le petit Ferdinand de Mort à Crédit. Voilà, à voir. Et du coup, de créer un truc comme ça, où ça serait écrit à table, il n'y aurait pas de groupe de rock, ou de groupe de pop, ou de rap, comme ça a été le cas pour Vendredi, mais plutôt écrit à table pour un orchestre, et d'essayer de créer une bizarrerie, voilà, et de, pourquoi pas, de présenter ça à la Villa Médicis. Ça, c'est un premier projet, mais sinon, Vendredi, le Lame du Pacifique va être adapté en anglais, on va le jouer à Londres, je ne dis pas encore avec qui, mais avec un acteur fameux, et aussi en Allemagne. A priori avec Stéphane Cornasque, et on va aussi le jouer en France avec Denis Lavant. Sinon, il y a Mousquetaire 2 qui va sortir, on est aussi sur le prochain Eiffel, et moi j'ai déjà écrit aussi un autre solo, voilà. Joli programme. Ouais. Mais c'est excitant, après on va voir comment ça se passe. Tout ça dans la décadence de l'industrie du disque et ces choses-là, mais haut les cœurs, allons-y, quoi. On verra. On vous suit, Romain, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.